Coucou les amis, c'est Krim, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le prochain pack qui va sortir donc d'ici mardi, si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore vu la bande-annonce, je voulais la voir en direct comme ça avec vous. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, ça me paraît très étrange leur histoire, ça fait un peu secte hein, quand même. J'avoue qu'ayant une manière de jouer très réaliste, c'est pas forcément le thème qui m'attire le plus. Hein. Pour l'instant, ça me paraît un petit peu trop barré pour moi. Mais bon, je les connais hein, chez EA Games, ils sont assez doués pour me faire changer d'avis et pour me faire adorer des packs que je veux absolument pas à la base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Je vais aller voir cette vidéo avec vous, histoire de faire une petite... une petite vidéo réaction à chaud. Je suis sûre que je vais en prendre plein les yeux, donc... écoutez, on regarde la vidéo, et puis on en reparle juste après, et je vous dirai ce que j'en ai pensé et ce qui m'a plu. Allez, on est parti. Peggy 12. Bon. Alors, ça fait très très Arbeville, hein, en fait, hein, clairement, très militaire. C'est à mi-chemin entre Arbeville et la zone 51, quoi. Forte présence militaire, secret un peu caché. On a vu des espèces de détecteurs de radioactivité. Donc, visiblement, la clé de tout ça, ça a l'air d'être cette fleurs qu'on voit là sur le petit à la fin du trailer. Bon, bon, j'ai vu pas mal de trucs qui me plaisaient quand même, ne serait-ce qu'au niveau des coiffures, des objets, notamment l'automate là pour le sport. Ça j'aime beaucoup. Je sais qu'on va avoir les ordinateurs portables, donc ça c'est. J'en parlais il n'y a pas si longtemps en live qu'il me fallait un ordinateur portable, donc ils sont gentils, m'ont écouté. Bon, c'est quand même très barré. À mon avis, je vais pas beaucoup jouer avec cette nouvelle fonctionnalité d'espèce de Sims zombie là. Mais bon, je suis quand même très attirée par les nouveaux objets, la nouvelle ville aussi. J'en connais une qui doit piaffer et faire des bonds de 4 mètres sur son siège. Hein. Ouais, donc la nouvelle zone un peu désertique, mais plus Far West que Oasis Spring, quoi, un peu avec de la terre un peu ocre et tout ça. Donc ça, c'est vachement sympa, je trouve. Et puis, il y a plein de nouveaux objets, nouvelles coiffures. Et puis, il y a pas mal de choses aussi. J'avais vu ça sur Twitter chez les gourous, de choses un peu fin du monde, quoi. Et je me dis que ça peut être vachement bien pour un Apocalypse Challenge, ça. Donc, je sais pas, ça se tente. Donc voilà. Non, je pense que ça va être pas mal. J'ai hâte de pouvoir le tester. Ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Donc quand je testerai, je vous en dirai un petit peu plus dès que je pourrai, bien sûr. Mais on fera aussi un live dessus, hein, très certainement. Moi, je sais pas trop si je peux vous dire la date, donc je vous redirai. Voilà, dès que l'embargo sera levé, on fera un live dessus. Écoutez, c'est pas forcément le game pack que j'attendais le plus,
Mais tout contenu est bon à prendre, donc ma foi. Et puis c'est un peu, bon, même si moi c'est pas ma façon de jouer, le côté un peu barré, loufoque, c'est quand même la marque de fabrique des Sims, donc on peut pas. Voilà, on peut pas en renier là-dessus. Donc voilà, je vais attendre de l'avoir un peu plus en main propre pour pouvoir faire mon opinion dessus. Et je tâcherai de vous donner une opinion un peu plus poussée dès que j'aurai pu. Enfin, dès que je l'aurai entre les mains. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite, les amis. Ciao tout le monde! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci les amis!